Kinshasa, nous sommes lundi 25 juillet 2022. Merci de rester informé à travers les antennes de la télévision nationale congolaise. Bienvenue à ce journal. Il se tient depuis ce matin à Kinshasa. Les travaux de la 21e réunion de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la consolidation de la paix dans la sous-région figure parmi les thématiques de ce sommet. Kinshasa, sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de ces structures, s'assurer du bon fonctionnement régulier des institutions et de créer un marché commun pour l'Afrique centrale sont notamment là les objectifs poursuivis par ces sommets. Le président centrafricain et le ministre rwandais des Affaires étrangères sont arrivés ce matin même à Kinshasa. Vous le savez, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a regagné Kinshasa après avoir représenté la République démocratique du Congo et l'Afrique centrale à la 4e réunion semestrielle de l'Union africaine des communautés économiques et régionales à Lusaka. Retour à l'image avec l'arrivée du président de la République. Ils se sont dit jamais manquer le rendez-vous de Kinshasa pour prendre part à la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Il était 9h, heure de Kinshasa, lorsque l'aéronef de Rwandair a atterri sur la piste de l'aéroport international de Njili, transportant à son bord Biruta Vincent, ministre rwandais des Affaires étrangères, venu représenter son chef de l'État, Paul Kagame. À la descente de l'avion, le ministre rwandais était accueilli par Didier Boudimbou, ministre des Hydrocarbures, qui lui a présenté le comité d'accueil restreint constitué de l'ambassadeur du Rwanda en RDC, du conseiller principal du chef de l'État au collège diplomatique, du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, ainsi que d'autres personnalités. Après les honneurs, l'homme d'État rwandais est resté quelques minutes au salon présidentiel de l'aéroport international de Njili avant de se diriger vers la cité de l'Union africaine. 20 minutes après, c'était l'atterrissage du jet transportant Faustin Archange Touadéra, le président de la République centrafricaine. Il a été accueilli par Jean-Michel Samalou Kondé, premier ministre et chef du gouvernement, qu'accompagnait Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur. Après les honneurs militaires, le chef de l'État centrafricain s'est dirigé au salon présidentiel avant de se rendre à la cité de l'Union africaine où se tient le 21e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. 21e sommet ordinaire de cette conférence convoquée par Félix Antoine Tshisekedi pour cet élément. Nous allons vous proposer l'arrivée des chefs d'État de Sao Tomé et autres délégations des pays membres de cette organisation. Deuxième chef d'État à rejoindre Kinshasa ce dimanche après le général Mahamad Idriss Déby du Tchad, son Excellence Carlos Villanova, président de la République de Sao Tomé et Principe, a été reçu au pied de l'avion à l'aéroport de Njili par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge et le comité d'accueil avant de rejoindre le salon présidentiel. Moins de 2 heures plus tard, l'avion présidentiel guinéen a également atterri sur le tarmac présidentiel de l'aéroport international de Njili. À son bord, le vice-président de la Guinée équatoriale, son Excellence Mangue Théodore Nguema Obiang. À sa descente de l'avion, le même rituel avec le comité d'accueil conduit par le Premier ministre. D'autres chefs d'État, comme celui de la République centrafricaine, sont annoncés pour les premières heures du matin de ce lundi pour prendre part à ces grands rendez-vous économiques de l'Afrique centrale qui évoquera, outre l'économie, des questions liées à l'éducation. Vous le savez, la 21e session ordinaire de cette conférence convoquée par Félix Tshisekedi, une rencontre qui sera l'occasion pour ces chefs d'État d'aborder plusieurs questions liées à la flambée des prix, la crise humanitaire et les questions sécuritaires dans la région. En prévision de cette session, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un tête-à-tête avec son homologue tchadien. Suivez ces reportages. Après Kintel et à Brazzaville, où s'est tenu en janvier 2022 les travaux de la 20e session ordinaire qui ont abouti à l'investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, en sigle CEAC, par les différents chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale, c'est au tour de Kinshasa, la capitale congolaise, d'abriter la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État
et de gouvernement de la CIAC. La République démocratique du Congo, à travers son président, va une fois de plus faire entendre sa voix à l'international. Au total, 11 délégations sont attendues en terre congolaise pour participer à cette conférence qui aura lieu dans ce somptueux chapiteau aménagé à la Cité de l'Union africaine. Parmi les premiers participants arrivés à Kinshasa ce dimanche figure le président de la République du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby, et le premier ministre du Gabon, Madame Rose Christiane Osuka Raponda. Aussitôt arrivé, le président tchadien a été reçu à la Cité de l'Union africaine par son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le tête-à-tête des deux chefs d'État a duré près d'une heure et aucune déclaration n'a été faite à la presse. L'objectif central de la 21e session est de s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté à travers le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des politiques ainsi que les décisions approuvées par les instances communautaires. Cette conférence a été précédée de réunions préparatoires qui ont eu lieu à Kinshasa du 15 au 23 juillet courant. Dans le cadre de ces grands rendez-vous, plusieurs chefs d'État et membres du gouvernement, au total 11 pays membres, sont déjà dans la capitale congolaise pour assister à cette grande messe sous-régionale. Déjà hier, le Premier ministre congolais Samalou Koundé était à l'aéroport international d'Ndjili pour accueillir les hôtes des marques. À la tête de la communauté économique des États d'Afrique centrale depuis janvier 2022, la RDC accueille ce lundi 25 juillet 2022 la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale. À quelques heures de l'ouverture de ses assises, Kinshasa a déroulé ce dimanche le tapis rouge pour les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de cette communauté. Le premier dirigeant africain à atterrir dans la capitale, c'est le président de la République du Tchad. En tenue traditionnelle, Mahamat Idriss Déby effectue son premier déplacement à RDC depuis sa prise de fonction au Tchad en 2021. Accueilli par le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Koundé à la tête d'un comité d'accueil restreint, le président tchadien s'est entretenu un instant avec le chef du gouvernement de la RDC avant de quitter ses pavillons présidentiels. 30 minutes seulement ont suffi pour voir atterrir juste après le jet présidentiel gabonais. Le président Ali Bongo sera représenté à cet important rendez-vous par Rose Christiane Osuka Raponda, première ministre de la République gabonaise. Après un accueil chaleureux sur le tarmac de l'aéroport international de Ndjili, elle a eu des premiers échanges avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé. Véritable ballet diplomatique qui se poursuit dans la soirée avec le chef d'État centrafricain, de la Guinée équatoriale, du Sao Tomé-Principe et des représentants des pays membres. Organisé dans un contexte sécuritaire très particulier, ce sommet est d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo. Nous attendons beaucoup de ce sommet, même si c'est à caractère économique à la base, à l'origine, mais il y a des enjeux actuels, notamment le thème. Le thème, c'est l'éducation, la culture et la santé. C'est les trois thèmes-là. À part ces thèmes-là principaux, il y aura des apartés, il y aura des échanges, il y aura des tête-à-tête entre chefs d'État pour parler des enjeux actuels, notamment la sécurité. Ça ne peut pas manquer. La RDC, il faut l'indiquer, n'est pas sa première expérience. Elle a déjà dirigé la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC en 1989 et en 2009. Dans un autre chapitre, la Chine rassure la République démocratique du Congo de son accompagnement dans le processus du développement socio-économique. Une délégation chinoise conduite par le représentant du gouvernement chinois pour les affaires africaines a rencontré le Premier ministre Samalou Koundé sur la question de conjuguer les efforts pour la matérialisation de plusieurs programmes qui seront mis en place entre ces deux pays. Le gouvernement Sama peut désormais compter sur l'appui de la Chine pour tout ce qui a trait au développement économique de la République démocratique du Congo. Assurance donnée par la représentante spéciale du gouvernement chinois pour les affaires africaines, Liu Jingyu, à l'issue de l'audience que le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Koundé King, a accordée à sa délégation. Je suis très honorée d'être reçue en audience tout à l'heure par M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Et nous avons vraiment un entretien, une conversation très amicale, très riche en contenu et très, très fructueuse. Parce que la Chine et la RDC, nous sommes
de bons amis, bons partenaires et bons frères. Nous avons toujours travaillé ensemble et sur le plan politique, nous nous sommes toujours prêtés respect mutuel, compréhension mutuelle et le soutien énergique mutuel. Dans les enceintes internationales, la RDC soutient la Chine toujours sur les questions qui touchent aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures de la Chine. Et nous, de notre part, au sein du Conseil de sécurité, nous plaidons toujours pour la cause, les intérêts de la RDC. Outre les questions de développement économique, Yu Xingyu a salué la coopération qui existe entre la République démocratique du Congo et la Chine, qui totalise cette année 50 ans, avant d'énumérer quelques réalisations qui résultent de cette coopération qui est au beau fixe. Et sur le plan de la coopération pragmatique, nous avons travaillé ensemble et nous avons réalisé beaucoup de projets, beaucoup de progrès. Ce matin, je suis allée visiter le mémorial de M. Lumumba et c'est aussi un des fruits de la coopération entre la Chine et la RDC. Et le long de la route, je vois vraiment des réalisations palpables. La coopération pragmatique entre nos deux pays est dans l'intérêt de nos deux pays et de nos deux peuples. Cette rencontre s'est clôturée par un échange de cadeaux. Résurgence des groupes armés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans une approche diplomatique, une commission mixte RDC-Rwanda est mise en place dans le but d'éradiquer définitivement ces actes. Le porte-parole du gouvernement et le vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères étaient devant les chevaliers de la plume. Le Nairobi qui a commencé, tout au moins le processus politique avait un objectif. Tous les groupes armés doivent venir discuter sur les conditions des redditions, des réintégrations. Ça veut dire, en d'autres termes, que même la position initiale où s'est trouvé les M23, ils ne l'occuperont plus. Ils ne l'occuperont plus, les choses doivent être bien claires ici. Lorsque la force régionale va s'établir, c'est parce qu'il y a une situation de fait qui est arrivée avec Bounagana, mais le point de départ, le communiqué de Nairobi l'a dit, ils retournent à Runyoni où ils étaient avant, dans ces positions-là, mais que par la suite, la force régionale, en réalité, elle aurait pu ne pas être déployée si dans le processus politique, toutes les forces négatives avaient accepté les conditions du dialogue. Le président de la République l'a fait. Donc, s'ils sont réfractaires, qu'ils soient à Runyoni, à Chanzu ou que sais-je encore, ils seront combattus. Deuxième élément, et non de moindre, parce que lorsque nous parlons ici, on vous parle du front judiciaire. Mais tous ces M23-là, qui sont sanctionnés, qui sont sur des listes, mais il y a une prochaine étape, parce que nous avons, avec les docteurs Mukwege, les soucis de la justice, pour éviter qu'il y ait justement ces incursions à répétition. Ceux qui ont été, qui bénéficient d'une quelconque forme de protection d'un pays à côté, ils doivent répondre de leurs actes. Et donc, parce que la dynamique dans laquelle nous nous sommes engagés, si vous voyez le président de la République faire le choix difficile de dire, bon voilà, on va avec les États de la communauté faire venir des forces pour voir dans quelle mesure on règle rapidement la situation, parce qu'il n'y aura plus de frontières. Les Congolais pourront se déplacer avec leur carte d'identité partout. Et donc, s'il y a des problèmes sécuritaires en RDC, aucun pays ne voudra voir des ADF circuler librement. Et donc, il y a un besoin de rétablir la sécurité. On a fait ces choix difficiles parce qu'il faut aller vers la coopération économique qui requiert un socle sécuritaire. Et donc, on ne saurait évoluer de manière sereine dans la sous-région, amener la paix de manière définitive, sans régler durablement les questions des justices, notamment celle-là. Est-ce que le M23 a cessé d'être un mouvement terroriste et que nous sommes prêts à négocier avec le M23? Je ne sais pas d'où vous tirez ça. J'ai tous les instruments ici. Il n'y a nulle part où on a dit qu'on va négocier avec le M23. C'est lui, même en dehors du studio, s'il y a quelqu'un qui a
ce document, cet élément audio dans lequel le gouvernement congolais a dit, ou le Conseil supérieur de la défense a dit que nous allions négocier avec l'M23, présentez-moi ce document. Non, on n'a pas dit. La question du retrait. Le retrait de Tchanzou. Mais c'est une question qui est simple comme bonjour. Quand on vous dit rentrez à votre prestige d'État, rentrez à là où vous étiez, vous savez, nous savons qu'il y a deux groupes. Ok ? Il y a le groupe M23 qui est en Ouganda. Il y a un groupe qui est au Rwanda. Vous comprenez ? Le groupe actuel, d'après les informations que nous avons, c'est le groupe de... Comment il s'appelle ? Makenga. Voilà. De l'Ouganda. Ils rentrent là-bas. Si dans ceux qui nous combattent, parce que nous, groupe de l'Ouganda ou de Rwanda, ce n'est pas ça qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est que l'M23, quels qu'aient été les endroits où se trouvent ces troupes, l'M23 ne peut plus exister. L'M23 nous a attaqués. C'est pour cela qu'à Nairobi, nous avons dit, vous qui êtes là, vous dites que vous venez de Rwanda. Ceux qui sont là, vous dites, ils sont de l'Ouganda. Mais c'est l'M23 qui a tiré sur les positions de notre armée. Voilà. Donc cette distinction, je ne sais pas à quoi ça nous amène. Absolument à rien. De la fumée au-dessus du bâtiment imposant la Société commerciale des transports et des ports, incendie d'origine inconnue, s'est déclaré hier soir. Les sapeurs-pompiers se sont déployés, mais les dégâts restent énormes pour éviter les pires. La ministre du portefeuille a convoqué une réunion urgente pour faire le point. Angèle Mabial. C'est un des immeubles caractéristiques du boulevard du 30 juin. Il a abrité dans un passé récent des cabinets de ministères. Des secrétariats généraux au transport et à l'économie y sont encore logés à ce jour. L'immeuble de l'ex-ONATRA était en feu cette nuit. Des flammes qui s'échappent du 5e et du 6e étage de l'immeuble sous des regards impuissants de quelques anonymes. C'est le spectacle que la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kainda Maïna a eu droit à l'aube de ce lundi. Visiblement affectée par cette perte, alors que des projets sont en cours pour la remise de la Société commerciale de transport et des ports à son niveau. Cet incendie qui a ravagé les bâtiments de la SCTP inquiète au plus haut point le numéro 1 du portefeuille qui est arrivé sur le lieu à 5h11. Avec sa volonté de restructurer profondément les entreprises, la princesse Adel Kainda Maïna regrette les dégâts considérables. Une réunion des crises se tient pour déterminer les causes et l'origine de cet incendie. L'université constitue un cadre par excellence afin de former, d'éduquer et d'informer les étudiants sur notamment les valeurs voilà qui justifient cette conférence interuniversitaire organisée dernièrement à Kinshasa, un moment d'échange sur l'entrepreneuriat et le profil d'un bon leader. Iverson Kaboba pour les reportages. Rien que le thème pour captiver l'attention de tous, ces étudiants venus de plusieurs universités et instituts supérieurs de la capitale. L'entrepreneuriat et le leadership estudiantin, c'est le thème de cette conférence débat organisée par la communauté interuniversitaire. Ce véritable rendez-vous du donner et du recevoir a permis à ces futurs cadres du pays de mieux s'outiller de toutes les armes nécessaires pour se lancer dans l'entrepreneuriat et devenir des maîtres et patrons de leurs propres entreprises. Pour Alpha Mbobika, secrétaire national de la communauté interuniversitaire. Cette séance à l'allure pédagogique vise à avoir dans les prochains jours plusieurs entreprises tenues par les Congolais. Nous avons organisé cette activité avec deux grands objectifs. Premièrement, c'était dans l'optique de célébrer le leadership à l'échelle du campus. C'est-à-dire, nous avons vu dans notre société, il existe de personnes qui inspirent le jeune, qui leur montrent le chemin, qui leur donne le courage à aller de l'avant. Et nous avons pensé que ces personnes viennent nous partager leur expérience parce qu'ils sont aussi passés par les bancs de l'école, ils sont passés par l'université et pour en arriver là où ils s'en sont aujourd'hui. Moment propice également pour récompenser tous les étudiants qui se sont distingués pendant leur cursus à travers quelques projets innovants. C'est dans une ambiance de convivialité que les invités de cette journée se sont séparés.
Les lauréats du collège Elika qui se sont distingués au cours de l'année scolaire 2021-2022 viennent de bénéficier, allais-je dire, des bourses pour la poursuite de leurs études. Ces prix Père Raphaël, œuvre des anciens de cette école, une façon d'encourager cette jeune génération de s'appliquer aux études. Un reportage signé Yolande Voka et Fiston Wavingana. Ils ont tous un dénominateur commun, avoir été élèves au collège Saint-Joseph Elikia. Et aujourd'hui, ils sont dans la vie active et se regroupent au sein du cercle des anciens du collège Saint-Joseph Elikia. Animés par la volonté de cultiver l'esprit de solidarité entre les différentes générations de leur école, les Cassibles, comme on les appelle, ont conçu un prix d'excellence dénommé Prix Père Raphaël de la Quétule pour récompenser les élèves qui se distinguent par leurs résultats scolaires. Et cela concerne le classe de première en sixième année. Le président du CAC, Alain Moutombo, s'est dit confiant à l'encadrement de la nouvelle génération de l'élite intellectuelle. Les meilleurs élèves ont été primés. Nous remercions les anciens du collège qui ont participé financièrement pour la réussite de cette édition couplée. Le vice-président du CAC, Jeff Chamala, a abondé dans le même sens. Je demanderai vraiment à tous les Cassibles, les anciens du collège Saint-Joseph et Likia, de se mobiliser comme un seul corps autour de notre collège qui nous a donné des valeurs. On travaille pour notre pays, on vient d'encourager les lauréats. Donc c'est vraiment important de croire au CAC comme une force de la société civile qui aura un mot à dire par rapport à toute la problématique qu'on trouve au sein de notre société. Le collège Saint-Joseph Elikia a été créé par le révérend Père Raphaël de la Quétule de la Riov et sa première année scolaire a été organisée en 1917. Autre chose à présent, dans le cadre de ces visites pastorales, le cardinal Fridolin Ambongo a célébré une messe en la paroisse Saint-Michel de Bandal. Suivez ce reportage. La paroisse Saint-Michel, au cœur de la commune de Bandalungwa à Kinshasa, compte parmi les grandes paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa. Ce dimanche 24 juillet, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain, a effectué sa deuxième visite pastorale, moment pendant lequel une messe a été dite en présence de plusieurs paroissiens, dont le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya-Katemboué, notable de cette municipalité. Après la célébration eucharistique, le cardinal Fridolin Ambongo a visité quelques ouvrages et chantiers en cours au sein de cette paroisse. Les fidèles se sont dit plus que satisfaits de cette visite. Il est venu juste pour évaluer, voir comment nous avons évolué avec les travaux, avec tout ce qu'il nous avait demandé. Mais il est très, très, très satisfait de ce que nous, paroissiens de Saint-Michel-Bandalungwa, nous avons réalisé. Et dans l'avenir, nous envisageons construire notre salle de fête. Si vous regardez notre salle de fête, elle est dans un état très vétuste. D'ailleurs, le cardinal venait de poser la première pierre aujourd'hui pour que notre salle de fête soit plus moderne. Alors nous allons conjuguer nos efforts comme on a fait avec l'aménagement. On a continué à contribuer pour que nous puissions mettre notre salle de fête au point à la dimension plus moderne que comme la salle se présente aujourd'hui. En province, précisément dans les Bas-Ouélés, avec cette double cérémonie des présentations du programme d'action du gouvernement provincial et l'investiture du nouveau gouverneur, la salle de la plénière de l'Assemblée provinciale a servi de cadre pour accueillir cette séance. C'est devant les élites du peuple que le gouvernant de la province du Bas-Ouélé, M. Jean-Robert Zanzambobiti, accompagné de son équipe gouvernementale, ont défendu leur projet de société pour son adoption avant d'être investi. Dans sa présentation, Zanzambobiti parle de six piliers à savoir renforcement de l'autorité de l'État, de la promotion de la bonne gouvernance, de la base au sommet, développement du capital humain et accès aux services sociaux des bases, réhabilitation des infrastructures routières, développement et renforcement
des chaînes de valeurs agricoles, climat des affaires et croissance économique et enfin protection de l'environnement et lutte contre les changements climatiques. Ces programmes présentés est le reflet des aspirations profondes des filles et fils du Bazuélé et s'est inspiré de la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de transformer les ressources naturelles du Bazuélé en richesses réelles, équitables, réparties pour améliorer le bien-être collectif de la population tout en luttant contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie de la population. A savoir que ce gouvernement a été composé de 10 membres dont on trouve des femmes. En politique, désormais la Ligue de Femmes et la Ligue de Jeunes de la plateforme politique Les Progressistes, partie membre de l'Union Sacrée de la Nation, dotée d'un nouveau siège, un résultat de la ferme volonté de son autorité morale, l'ancien Premier ministre Sami Badibangantita, pour affronter les échéances électorales avec certitude de l'emporter. Une cérémonie présidée par le secrétaire général de cette formation politique, Guy Didier Kintambo. Suivez ce reportage. À une année des échéances électorales, la plateforme Le Progressiste s'impose dans la scène politique congolaise. Cette formation politique du sénateur Sami Badibangantita, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation, installée dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, vient d'inaugurer son nouveau siège à Kinshasa, dans la commune de Lingwala. La dotation de ces sièges confortables à la Ligue des Femmes et la Ligue des Jeunes de cette formation politique, résultat de la ferme volonté et de l'engagement du sénateur Sami Badibangantita afin d'assurer un bon fonctionnement du parti. Une cérémonie présidée par son secrétaire général Guy Didier Kintambo qui, au cours de son speech, a salué l'approche diplomatique du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient à faire taire les armes dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est peu avant de solliciter une minute de silence pour rendre hommage au FRDC qui font face aux agresseurs. Il faut que chaque circonscription soit en mesure de pouvoir se réunir dans un cadre qu'on peut juger aujourd'hui acceptable, comme l'a fait aujourd'hui l'honorable sénateur Sami Badibangantita, notre autorité morale. Sur base de ça, nous sommes contraints de mettre en œuvre le plan d'action qui avait été défini et arrêté, qui consistait notamment à doter les différentes ligues de femmes, ligues de jeunes, des cadres de travail. S'en est suivi la coupure du ruban symbolique par l'autorité morale. L'inauguration de ces sièges est un symbole de la détermination de cette plateforme à affronter courageusement le scrutin à venir, avec certitude de l'emporter à tous les niveaux. Derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les jours à venir, la formation politique Les Progressistes s'installera dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Et voilà, c'est par cette note que nous mettons fin à ce journal de la journée sur les antennes de la télévision nationale congolaise. Merci de l'avoir suivi et restez toujours en position d'écoute en compagnie des programmes de la RTNC. Bonne suite des programmes chez nous.